Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Petite matinée détente sur du vroom vroom. Et comme vous l'avez remarqué, j'étais engagé dans une course, je sais plus laquelle. Je me demande si c'est pas... Ah bah tiens, je me trompe de manette. Je prends l'antenne en prenant la manette de la PS3 alors que c'est la PS2 que j'ai activée. N'importe quoi, faux départ. Bref, on va voir. Non, c'était pas un jeu, championnat international, je crois, mais il se trouve que j'ai toutes les voitures japonaises embarquées. Oula, 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 oula. Alors on voit que j'ai légèrement modifié mon cadre. Faut que j'écrase un peu l'image là. Aïe. Ouais, là il y a des données qu'on voit plus là. Alors. Voilà, là c'est mieux. Je sais plus pourquoi j'avais touché à ça. Ah, je crois que c'est l'émulation de la PS1 sur la PS3. Ouais, le cadrage est pas tout à fait le même. Ceci explique cela. Bonjour, Pixel. J'ai l'impression que le son de la console hurle. J'ai baissé un peu le son de la console. Bonjour Pinsen. Je pense que ce sera mieux comme ça au niveau de la base de son. Thank you.
Deuxième place, on est sur le fil. Braquage. Thank you.
stress, le concurrent. Non, le stress. Est-ce que ça vaut le coup que je reste dans le championnat? Je suis pas certain. J'espère que je m'y frotte. On a quoi? Tac, 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 tac. Ah, intéressant. Thank you.
pas fait gaffe, effectivement, je me dis, tiens, j'entends l'horloge. Mais c'est vrai que tous les compteurs sont figés. J'ai une application des compteurs qui a dû planter. Je n'avais pas fait gaffe. Nous sommes hors du temps. Je sais plus si c'est pas ma sœur jumelle dedans, moi je sais plus. Ah, que je relise la grille de départ. Si on est deux fois les mêmes, c'est un peu débile. Je vais pas se tenter de sortir du championnat pour le relancer histoire de voir. Ah oui, bah oui, non, ce que je vais faire, c'est débile. Oh, il y a assez de tutures pour varier les modèles. Ah, c'est parce que j'avais pas mis au premier plan, d'accord, mince. Aïe, 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 aïe. Oh, bah alors, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est dommage quand on est la même bagnole. Allez, on y croit. Je vais avoir notre tirage. Voilà, là c'est mieux. Ah, je préfère. Oh merde, tout ce que j'aime.
mia. Je vais la tenter, mais ça peut pas. C'est vraiment frustrant le coup auto-tamponneuse. Quand elle vous rentre dedans alors que vous êtes en pleine reprise et accélération, c'est ingérable. Ingérable. Qui restait pas dans le pavillon de l'oreille. Hop là. Rigolo au niveau du son, pas du son de musique, comme tu dis, la figure sur les bois. Pas ma tasse de thé, hein, ce tracé dans son sens là, le sens contraire habituel. J'ai mal de chien dans mes pères en fait. Thank you.
faire. Avoir un anti-patinage. Je me dis que je peux sauvegarder le ralenti, c'était pas mal discuté quand même, c'était correct, bien que j'ai pas mal de frustration. Thank you.
ils sont chiants. Si je suis pas à la Toyota qui est devant moi, je pense qu'on peut tirer une autre parce qu'elle est vachement bien. Sinon, je pense que je l'aurais déjà acquise. Il y a vraiment des performances exceptionnelles. C'était très disputé. Là aussi, se regarder ralenti vaut le coup. C'est vrai que j'ai pas allongé ma boîte de vitesse. Alors je me mets à l'intérieur du virage parce que je sais qu'ils sont eux qui sont à l'extérieur et ils ne profiteront pas de mon respiration. J'essaie de ruser pour conserver ma première place. Du coup, je vais avoir de manière uniforme normalement mes gommes qui vont monter en température de manière assez lente d'ailleurs, je pense.
sais qu'au niveau son, c'est pas génial, on dirait que je passe l'aspirateur, mais bon. Je trouve même dommage d'ailleurs dans la disposition des courses dans le championnat qu'il ne l'ait pas mis en sixième course en fait. Ça permettait de couper en deux le championnat pour souffler un peu. Là de l'avoir mis, je sais plus, je crois qu'ils l'ont mis en troisième course, je crois, ou en quatrième, je sais plus. Là, je suis surpris de la personne là que c'est pas la Supra qui est en tête. C'est la Honda NSX. Mes gommes sont encore froides, c'est dingue. Alors que je roule à 330 km/h. Bon, là je fais honneur à mon numéro 1 sur le. Si je peux dire la carrosserie. Aïe aïe aïe. Toujours pas les gommes en température, et contrairement à ce que je vous affirmais tout à l'heure, j'ai pas la température dans les uniformes dans les roues des pneus. Mais à coup de pas, je m'attendais à ce que le virage en grande courbe ne force pas à braquer, que je puisse répartir en fait la charge du véhicule d'une manière équitable sur les quatre roues, mais force est de constater que je me suis trompé. Ça appuie surtout à l'avant gauche, l'avant gauche. L'avant droit est pas non plus, c'est vraiment l'avant qui peut solliciter. Je me demande si j'ai des concurrents qui vont rentrer au stand. Je m'interroge. M'angoisse de voir mon chat vierge. J'ai envie de dire que je suis comme la nature, je déteste la notion de vide. Il y aura plus de quelque chose. Thank you.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup de bolides, tu sais, hein, qui ont un septième rapport à ce niveau-là. Il y a la Cadillac CN, je crois qu'il y a la Koenigsegg CXX, je sais plus quoi là. Donc c'est tout, enfin, évidemment, c'est que des bolides qui franchissent allègrement la barre de 400 km/h. Je crois pas que ce soit le cas de la Bugatti Veyron Grand Sport. Je crois qu'elle reste à 7 rapports si on compte la marche arrière en fait. Bah, concernant FunFan d'ailleurs, pour te mettre dans le confidence si je peux dire, il m'avait posé la question hier soir. Pendant qu'on se regardait Ben Bastos, si je diffusais ce matin, puis je lui dis écoute, tu me passes quand tu veux, je démarrais sûrement entre 9h et 10h du Gran Turismo 3. Entre parenthèses, il n'y aura personne. Quoi. Je sais que ça attire pas quand je fais du Gran Turismo. Et moi je me fais plaisir, et puis voilà le principe de Twitch, je partage pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Mais je dois reconnaître que ma session de jeu de ce matin tombe plutôt bien parce que ça me permet d'essayer de me détendre. Au moins ça me permet d'emberger dans le bon sens du terme, prendre du recul sur ma réunion de travail d'hier, d'en faire en gros la synthèse de tête. C'est pas plus mal. Mais bon, ça va être la fin du son de motorisation monotone, pardon. J'ai dit monotone. Hein? Surpris qu'elle soit quatrième, la Supra. Voilà, forcément, c'est la course qui m'arrange bien. Allez, allez, allez. J'ai encore la Honda ici qui est devant moi. Hein. La vache. Au niveau des points. Je vous cache pas que je pars pessimiste au niveau de ce championnat. Je me vois pas le remporter. Bon, ça vaut pas le coup d'enregistrer un ovale. Il n'y a pas de record particulier. Et encore, j'essaierai de faire une pointe de vitesse proche des 500 km/h, enfin entre 400 et 500. Ça pourrait être intéressant, mais là, c'est pas du tout le cas. Ah là 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 là. Allez, 5 tours de. Ah bah, la Pucoïde. À l'envers.
Ah, l'autre qui me tamponne. La position du virage.
me fais largement dominer, mais il est vrai que mon pilotage est bon. Oh, je suis embêté. Je me demande si je ferais pas mieux de me désengager du championnat et prendre un autre bolide. Mais lequel ? Alors je sais que la Mugen NSX, la Honda, elle est... on peut l'acheter à 1 250 000. Alors j'ai des crédits, hein, dans la partie, mais... Oh. Ouais, je suis à mi-championnat, mais tant pis, je me retire parce que je sais que j'ai pas de chance de l'emporter. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ouais, déjà je vais lui faire la vidange. Elle est bien la tuture, mais le défaut c'est la reprise. C'est sortie de virage et patine trop. Ou alors je fais des réglages autres. Je prends une autre bagnole, je sais pas. Enfin. On a quoi d'autre? Pas obligé de faire dans la dépense, hein. J'ai quand même des bolides intéressants si je les classe par puissance. Mais 4 roues motrices, pourquoi pas. Ah, puis j'ai le modèle ah oui, j'ai celui-là en modèle allemand qui est quand même un peu. Entre les deux, mon cœur balance. Ah, je sais pas. J'aurais peut-être tenté de prendre la Ford de... Non, je fais des bêtises, du Grand Tourisme australien. D'ailleurs, est-ce que j'ai la vidange? Merde, je fais des bêtises. Alors, je confonds les boutons. Je suis pas dans le coup. Oui, non, ça va. On y retourne avec une autre bagnole, tant pis, pardon, je vais vous représenter les mêmes courses, mais bon. On va voir ce que vaut la tuture. Si je me sens pas à l'aise à la fin de la course là, je garde la même tuture, mais je passe à un autre championnat. Faut dire ce qui est, elle présente bien la vache. On voit qu'elle est massive. On voit le format, grand format XXL américaine. Même si là, je me rappelle, c'est la variante australienne de forme, petite forme.
je me sens plus à l'aise avec le bolide là. Il me semble plus équilibré. Alors, je dis pas que l'autre est mauvaise, la belle jaune là, de Nismo GTR, il faut procéder à de meilleurs réglages. Je crois qu'à l'occasion, j'essaie de faire ça hors antenne. Je ne vais pas vous barber ou vous barber. Vous donner une session barbante d'essai libre et de réglage au stand. Je pense qu'il faut corriger la copie. Oh, bonjour Olive. Et bah, bisous. Et surtout, pompe le rétablissement par rapport à ta migraine, ma pauvre. Ce que je suis en train de faire va pas t'aider à guérir ta migraine parce que toujours tourner en rond et bon, ça aide pas à se détendre. Je suis désolé. Un bon repos à toi, enfin, quand tu peux avoir du repos, Olivier. Mais merci de passer, c'est gentil. J'ai flippé en fait pendant une demi-seconde parce que de voir l'émoticône salut sur fond noir au niveau des pneus, j'ai cru que j'avais pour la première fois dans mon pneumatisme un pneu qui était crevé et que mon vis était cassé. Ça m'a fait bugger le cerveau pendant une demi-seconde. Mais normalement ça peut pas se produire. Hein. Le maximum c'est d'avoir les lames en rouge vif. Patine de manière incontrôlable, en forçant évidemment en poussant pour changer de fin de projet. Les crevaisons n'étant pas programmées. Ouais, c'est bien. T'as bien raison. Pas encore par rapport à
championnat. Alors le pire, c'est qu'en deuxième position, on a la future que je pilotais précédemment. C'est dingue, hein, dans les tirages, on voit, hein, que le jeu est japonais. Alors que je suis dans un championnat international, en dehors de moi qui ai un bolide australien, tous les autres bolides sont japonais. Ah là 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 là. Bon, observons une deuxième course. Comment ça se passe?
Aïe, ça m'a décontenancé, ça m'a déconcentré complètement. Aïe, 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 aïe. Ah, quel dommage, j'aurais pu la gagner. Merde, j'ai trop mordu.
stand, j'ai pas l'impression qu'ils y vont. Très serré, très disputé. J'ai vraiment pas le droit à l'erreur. J'aurais remarqué que cette semaine je suis très sponsorisé Mobile One. Parce qu'après le rallye du même nom, j'ai l'arrière de ma bagnole qui est inscrit en gros la marque Mobile One. Je fais pas exprès, hein. J'ai aucun contrat avec Mobile One, je tiens à le préciser. Très bien, le rythme est bon. Le prisme la sonne là. Je vais dire accélérer plus tôt. Eh ben ça fait plaisir. Ouh. Vraiment une occasion manquée la course précédente. Mais elle ne réussit pas, j'ai du mal à la maîtriser. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, après c'est l'ovale. Donc il faudra que j'aille dans les réglages, élargir la plage des rapports. Pour essayer d'atteindre les 360 km/h et être tranquille. Parce que là, je crois que je suis bridé à 300, peut-être même moins d'ailleurs. Exprès pour la course qui va arriver. Donc, je reprends des couleurs, on va dire. Alors je sais que l'Impreza Rally Car prototype, je l'ai testé. Il est vrai qu'elle ne monte pas trop en puissance. Je crois qu'elle est bridée à 500 chevaux quand on la gonfle à mort. Mais elle a vraiment l'avantage d'avoir une excellente réactivité et d'un excellent comportement. C'est un régal à piloter, la version prototype là. Donc
dans des championnats où on va dire que la vitesse moyenne est inférieure, c'est celle-là qu'il faut prendre. Il faut pas se voiler la face, elle est vraiment vachement bien l'Impreza en proto. Voilà, c'est l'ovale. Et là, je vais devoir impérativement modifier la vitesse. Alors, faut que je retienne que par défaut, je suis à 30. Je peux monter à 40 facile. Je reviendrai à 30 pour la course suivante. Je n'ai pas besoin de sauvegarder les réglages puisque c'est retenu en mémoire. J'espère que je vais à 320 km/h au moins. Oui, c'est bien parti pour vous. Un peu de respiration. Pas de forcément évident. Oh oh oh, je vais peut-être en baver. Ah merde. Ah, ça peut pas suffire. On va voir. J'avais l'espoir de me placer en tête, mais non, non. Aïe, aïe, aïe. Alors si l'autre me double, je vais profiter de son aspiration, ça m'aiderait à me relancer. C'est le même principe que pour les cyclistes en fait. Le fait de se relayer pour profiter de l'aspiration de chacun et souffler un peu. Des passes entre eux ou des boîtes pour aller au stand? Non, pas pour nous tour, non, 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 non. Ça se tient pas. C'est vrai qu'on est lancé dans le premier tour. Hein. Ah la marche. Bon, je retiens qu'il y a 2 secondes d'écart au premier tour. Presque pas espérer que les deux devant aillent au stand. Ah, il me dépasse lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Derrière moi. Là, je me suis mis la vue arrière. Ah putain. Pas le délire.
Ah bah ça faisait longtemps que j'avais pas un Nova aussi disputé. J'ai vraiment l'impression de passer l'aspirateur. Encore pire avec ce bruit là. L'écart a légèrement creusé d'un dixième de seconde. Et on voit qu'il a un souci de pénétration de l'air, le concurrent à côté de moi. Il était parti pour me dépasser, mais. Quand il fait face au mur de l'air, il perd de sa puissance. Ah merdoum! En fait, on est par tandem. Et je regrette de ne pas être dans celui de tête. Tiens, tiens! La Tipa qui réussit à me dépasser, mais. Ah, je sais pas si ça suffira, c'est trop insignifiant. Ah. Trop loin pour profiter du phénomène d'inspiration. Si je coupe un peu à l'intérieur, j'arrive à grignoter quelques mètres. Je sais pas si ma technique est pertinente. Ah, oui, on voit que j'ai grignoté un peu de l'écart. Pareil, il va pas réussir à me. Non. Il perd trop vite de son effet d'aspiration avec moi. Je vais essayer de faire plus l'intérieur du virage pour voir si ça me réussit. Ça fait quelques mètres en moins à parcourir. Le problème c'est que mon angle de braquage est un peu prononcé, ce qui fait que je perds quand même en vitesse de pointe. Là, je suis sur la barre de 300 là. Pas forcément une bonne chose. Ah, le rêve ce serait qu'il y ait un auto-stand, mais j'y crois pas. Je ne vois pas aller au stand à l'avant-dernier tour. Ah oui, c'est détaché mon. Ah. Allez, je vais essayer de la jouer en finesse. Surtout pas que je borde dans l'herbe. Ça fait ralentir de manière conséquente. Quand j'arrive à l'orgner le bord, j'ai commencé à toucher la bordure. Hein. Merde. Non, non, il ne va pas au stand. Non, bah je pense que le classement est scellé pour la course. Ouais, et puis là, l'écart s'est creusé. Technique est pas bonne.
c'est moi ou j'ai des. Je constate que celui qui m'aidait à prendre l'aspiration là derrière moi, il a usé ses gommes et il a décroché. On n'est plus en binôme là. Il a décroché. Il est plus là. Aïe aïe aïe, et moi qui pensais avoir course gagnée, bah non. Bon bah du coup ça donne quoi dans le classement? Ah oui, ça c'est quand je me rassois de manière un peu trop brute. L'onde de choc fait retomber le clapet de la webcam. Merde, j'ai pas changé les rapports de boîte de vitesse. Ah con, j'ai zappé. Ah, quel idiot.
j'ai pas le temps de trouver le sixième rapport, à quel gâchis. Je vais perdre de mon électricité. Ah, la faute des débutants. Là j'encroche même pas le sixième rapport. Je suis déjà obligé de freiner. Aïe aïe aïe. Ça, un ange passe. Il est trop mis cet émoticône. Je diminue l'écart. J'étais à 7 secondes.
J'ai un mot plus à lire. Donc c'est un rouge dégoulinant, c'est lisible. Bonjour, folle femme. Ah, bêtise de ma part que d'avoir pas rétabli les bons rapports de votre vitesse. Ah, quel idiot je fais. Ça donne le goût pour le championnat. Ah, ça devient dur pour moi. Hein. J'arrive pas à rester en tête. Hein. J'arrive pas à rester en tête. Alors, rétablir boîte de vitesse. Rétablir boîte de vitesse. Voilà mon erreur. Merci pour l'hébergement. Je le vois dans mes alertes, dans ma régie. Rome, allez, là pour le coup, voilà. Comme je reste engagé dans le championnat, là on voit les 5 courses suivantes.
Je t'avoue que pour ma part, je sais même pas ce que je vais mettre dans le bide de ce midi, moi. J'hésite. Est-ce que je me fais du poisson? Est-ce que je me fais d'ailleurs poisson accompagné d'épinards? Je peux me faire des pâtes. Je peux me faire de l'avocat au thon. Je sais pas. C'est vrai que je pourrais me savourer des radis en entrée en plus. Pavé au poivre, oh la classe! Bien, je suis beaucoup mon virage. Comprendre que tu veux me dire la chanteuse est filmée. Ouais, il y a des effets spéciaux et des voix appliquées de fou. C'est rigolo. Je suis déconcentré, désabusé. C'est la caca pour le championnat. Bonjour Thomas. Ah là là. C'est d'autant plus vexant que mon bolide précédent, qui est la Penzol en jaune, se place dans le loop de tête. Alors que je me suis désengagé en disant que ça n'allait pas. Dur. Dur, dur, dur.
Non, il faudra que je reprenne la Pennzoil, mais en faisant des bons réglages. Hein. C'est terrible. C'est là où on voit que c'est vraiment un simulateur, quoi. Je suis exécuté, Katie. Aïe, 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 aïe. On roule vers la 7ème course sur le 10. Ah, puis là, je suis pas à mon avantage dans le circuit urbain américain. Comment qui va notre domouf? Ouais, ça va, c'est bien. Ouais, ça va aussi. Bon, pas fameux, hein. Po, po, po. Non, il n'a pas réagi comme j'espérais. Bien essayé, mais ça n'a pas porté ses fruits.
barbe. Ah tiens, tant que j'y pense, je reviens sur la nouvelle option que tu m'avais suggéré, Tomouf, de choisir le relais de chaîne. Mais par moments, ça me poserait problème, comme aujourd'hui. Je sais que FunFan va prendre son antenne à 13h, et tu penses bien que mon relais de chaîne lui est réservé. Et du coup, il faudrait que je puisse l'activer, le désactiver à volonté, l'option-là. Il faudrait presque que je pense, dans ces moments-là, de le désactiver dans mon panneau d'options avant de prendre l'antenne. Ce qui est assez chiant, mais... Parce que ça sera plus honnête avec vous. Évidemment, si vous 5000 points en disant hop, relais de chaîne, et puis je vous dis bah non, aujourd'hui j'ai pas envie de faire relais de chaîne à FunFan, c'est délicat. C'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas proposé spontanément. Oui, t'as pas assez de temps pour le moment. Ouais, mais ça viendra. Petit à petit, en vignette. Bah, si ça peut te rassurer, le fait que je t'ai donné le titre de VIP, puisque j'ai le plaisir de connaître depuis un petit bout de temps maintenant sur Twitch, tu gagnes deux fois plus de points ou trois fois plus de points que la normale, je sais plus. Genre, c'est deux fois plus de points que la normale. Je sais plus quel quota j'avais mis dans les attributions de points. Maintenant, tu devrais grappiller plus vite ton score. Aïe aïe aïe, que je suis mon dernier, que je suis tristesse sur ce coup-là. Ah, je ne maîtrise pas cette scène, on peut dire. C'est mes bêtes noires. Oh la vache, 45 secondes quasiment de retard. Sur une petite course, qui s'est arrêté sur une course d'endurance. Message de FunFan 1992, le défi point de chaîne de la coiffe est terminé. Bravo à vous. Je sais même plus quelle est la coiffe suivante. Je vais aller regarder dans mes fichiers, dans mes données. Parce que le précédent, je crois que vous avez décroché, je crois que c'est le chapeau de cow-boy ou le chapeau melon anglais. C'est l'un des deux.
Attendez, je vais regarder dans mes fichiers, j'établis un ordre des coiffes. Oh merde. Ah non. Non. Vous allez rire. Vous avez déverrouillé la coiffe du mandarin. Ah, le temps que les minces que les données se chargent, je vais aller la chercher. Eh ben, vous allez pouvoir rigoler pendant une heure là. Eh ouais, une coiffe de mandarin, je vous l'ai présentée. Elle doit être devant moi, oui, je la vois, ça va. Normalement, j'ai fait exprès de pas ranger mes coiffes. Pour encore qu'on ait une. Aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà la bête. Et on voit l'intérieur qui est pas mal matelassé. Et surtout, le plus drôle, c'est la queue du mandarin, quoi, la queue de cheval. Voilà. Alors, je vais essayer de bien mettre l'étiquette intérieure, histoire qu'elle ne me gratte pas le crâne. Évidemment, c'est trop petit pour moi, j'ai un gros crâne, donc je peux même pas l'emboîter complètement. Et voilà. Ding, 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 ding. Bon. Ah, j'ai une vie passionnante. Voilà, bravo. Oui, ouais, je vais. Mais je pense que je vais faire comme ça, Tomouf, tu sais, d'activer, désactiver avant ma prise d'antenne. Le fait d'avoir l'option dispo, hein, de proposer un relais de chaîne. Ouais. Bon, allez. Ce qui est bien, c'est que je suis en noir. Donc habillé en noir, franchement, ça va bien. Et ce que j'apprécie, c'est que cette coiffe est légère. Donc normalement, elle ne devrait pas me poser sur le crâne. Je devrais vite l'oublier, d'ailleurs. C'est une très bonne chose. Merde! Oh là là! Encastré là! Alors c'est triste, mais je vais me désengager. Parce que là, je peux me monter la mise. Je vais passer à la course suivante parce que. De toute façon, je sais que j'ai championnat perdu, c'est triste. Hein. Mais non, là, je suis nimp. Au moins que j'essaie de vous offrir du beau spectacle. Alors là, on est où? Grand Valley Speedway. Oui, là, c'est beaucoup plus agréable. Ah,
merde. Freinage trop tardif. Moi j'aime bien, j'ai la promotion de type Ford. C'est justement ma concession pour mon bolide. Type Ford Falcon. Championnat de grand tourisme australien. Non, c'est pas que ça fasse beaucoup de travail en soi. C'est... Il faut que j'ai le réflexe de jouer avec l'interrupteur avant de lancer mon antenne. À vrai dire, c'est pas si chiant que ça. C'est quoi? C'est honnêtement, c'est 2-3 clics. Je serais amené à le faire puisqu'il faut... Quand tu prends ton antenne Twitch, il faut que tu prépares ton titre et ta catégorie. C'est dans la même interface, donc voilà, il suffit de prendre le réflexe. L'autre problème qui peut se poser aussi, c'est que j'ai plusieurs demandes de relais de chaîne en une seule séance. Et il faudrait que je reconnaisse premier arrivé, premier servi. Il faudra peut-être que je serai amené à noter ceux qui ont dépensé leur point de chaîne sur ça pour leur proposer la fois suivante. J'espère que ça va pas être trop bordélique. Si je me rends compte que ça devient trop bordélique, bah je désactive l'option. On verra. C'est pas évident. Ça dépend comment ça évolue. Je te cite toi FunFan parce que on va dire que tu es mon principal acolyte. Et parfois il y a des relais de chaîne qui me tiennent à cœur pour des raisons particulières. Parce que l'intéressé à un événement spécial, parce que le jeu qu'il présente a un intérêt spécial. C'est une calamité là, je suis en pleine décrépitude. Bon, il me reste une heure de direct, je me désengage, pardon, hein, mais je vous fais vraiment de la mouise. Je m'en veux. Oui, oui, le terme acolyte, oui, à pas confondre avec alcoolique, effectivement. Aïe, pardon pour mes contre-performances. On va flâner du côté des concessionnaires. Non, concessionnaire. Mauvais clic. Remauvais clic. La flèche, oh! Pas les flèches gérées de côté. Allez, côté belge, on a la Gillette Vertigo qui coûte bonbon, mais elle est peut-être pas mal. Alors, spécificité de la belle bête. C'est une FR, 400 chevaux à la base, 800 grammes, oh la vache. 800 grammes, 800 kilos, mais elle est vachement légère, d'où mon cerveau a bugué là. Vache. Au niveau usure des pneus, elle doit être magnifique, elle doit être très lente à user les pneus. Vous savez quoi, j'ai envie de procéder à des tests. Je vais sauvegarder ce que j'ai fait parce que j'ai quand même grignoté un peu de pognon. Puis pour être honnête vis-à-vis des stats. Je vais faire des tests. Vous savez, d'achat de bolides et de les gonfler à bloc pour voir jusqu'où ils montent. Je rechargerai la partie, je pense,
en reprenant la meilleure bagnole. C'est intéressant. Je vais vous offrir un... Putain, je me lance en course. Un autre aspect du simulateur. Admettons que je fasse l'acquisition du beau bestiaux là. J'achète la Vertigo. Hop, je la conduis. Je vais dans les optimisations dans deux pièces. Je vais tout de suite aller voir comment gonfler le moteur. Donc, visiblement, c'est potentiellement une atmosphérique. Elle montera à 700. Est-ce que je peux la gonfler via le turbo? Non. Donc, elle montera à 700. Donc, j'utilise pas à fond, mais je garde les gros chiffres, on va dire. Je vais voir au niveau d'autres bolides de compète. Du côté des Anglais. Il y a des bolides. Ah, elle est lourde. C'est une limousine, la V8 Vantage. Je pense pas que je puisse en tirer quelque chose de potable. Oui, je l'ai en plus, la XJ220, éventuellement. La Wapka. Je l'ai déjà. Ah, la Lister Storm. Putain, en plus, c'est un bolide que j'ai pas piloté depuis très longtemps, que j'aime bien en plus. Attendez, en plus, c'est un V12. Donc, je sais pas jusqu'à combien je peux la gonfler, mais elle peut être violente, la Storm. Pareil, ouais, c'est une atmosphérique. Elle monterait à 883. On va vérifier qu'elle peut pas être dopée niveau turbo. Je ne pense pas. Non, c'est pas le cas. Alors déjà, je pencherai plus sur la liste à Storm. On retourne du côté des Anglais pour voir le reste. Lotus. Non, je pense pas qu'ils aient bête de course. Encore que ça, que la Lotus Esprit, elle est pas mal. TVR, je crois que j'ai la Tuscan. Ouais. Il y a la Speed 12 à emporter. Je ne l'ai pas. Côté des Italiens. Romeo, non, je pense pas. Fiat, ouais, non plus. Ouais, je l'ai déjà en plus, je crois. Non, j'ai toutes les voitures de rallye. La Pagani Zonda, je l'ai aussi. Donc, je pense que je vais racheter la Storm V2. Ouais, voiture rallygée. Renault, il y a que la Clio. Ouais, non. C'est assez vite réglé. J'ai déjà une berline allemande. J'ai une Porsche aussi. J'ai fini finalement par avoir quasiment toutes les meilleures en acquisition et achat. Il ne me reste plus qu'à les débloquer et gagner les différents championnats en fait. Du coup, je vais peut-être même garder dans mon garage, l'autre que j'ai prise, la Vertigo. J'ai optimisé à mort la Storm, et puis voilà. De toute façon, si je veux gagner du fric, je m'amuse à faire le van en endurance et sans tour avec la monoplace. Et c'est tout bénef. Ouais, j'ai déjà pris mon truc. Les pneus, il me faudra les pneus très durs. Ah non, je peux les très durs. Ah non, je peux rien faire d'autre. Donc on est en monoplace. Est-ce que j'aurais. Oh, je pense pas que j'aurai le temps de faire les 7 courses. Championnat voiture de rêve, mais bon, je m'engage là-dedans. Après, il faut que je regarde niveau réglage, éventuellement la valise. Voir comment ça se présente. Je vais laisser par défaut que c'était peut-être la boîte de vitesse. Attendez. J'ai 6 rapports. Peut-être réduire un peu. Ouais, à 34. Peut-être moins.
c'est peut-être mieux. On va voir. J'ai sûrement d'apprendre beaucoup en faisant rien de cette course-là. Et c'est bien, ça permet de changer les variés des plaisirs au niveau des bolides. Elle est large par contre, on voit. Bon, mon premier ressenti est bon. Mais j'ai gardé un bon souvenir de la Lister Storm. Le bruit de la motorisation est beau aussi. Mais à un moment, faut que je prenne mes repères, mais avec l'attitude surtout. Chose qui va pas. Quelque chose qui va pas, mais j'arrive pas à savoir quoi. Ça doit être trop nerveuse. Peut-être. Ouais, peut-être que je baisse l'accélération. Je l'attends pas. Elle patine trop, je crois. Par contre, j'ai déjà mis les pneus à température, ce qui est assez inquiétant. Je les ai finis avec des bonnes usées là. On fait fumer les pneumatiques. Je gagne des places parce qu'ils vont au stand. Ça suffit à peine.
pas réagi comme je souhaitais. Là aussi, elle a réagi trop tardivement, je suis hors trajectoire. Ah, c'est pénible. Il y a un truc qui va pas. Pourquoi j'ai réussi à bien le placer quand j'avais les dômes optimisés en température et pas les fois suivantes? Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai les gommes avant qui sucent un peu plus que les gommes arrière. Je vais peut-être devoir procéder à un réajustement, mais il faudrait que je fasse plusieurs courses avec des tracés différents pour le voir. Merde. Bah c'est pas glorieux hein, aujourd'hui. Hein. La session que je vous offre, j'aurais rien débloqué. Si on va faire suivant, mais je vais pas me désengager du championnat, mais. Faut que je vérifie plusieurs trucs dans mon garage là. Au niveau de la tuture, dans les stands. Il faudrait peut-être que je mette plus d'appui sur l'arrière. Ouais, je mets plus d'appui sur l'arrière. Je mets ça à égalité. Donc de chaos, ça je touche pas. Stabilisateur. Peut-être légèrement déverrouillé de en avant, en arrière. Le freinage, je touche pas pour le moment. L'accélération, je vais peut-être la brider. Elle a peut-être trop d'accélération. Je trouve. Merde, j'ai mal zappé. Portance, plus d'appui à l'arrière. Ouais, je vais faire comme ça. Et la traction TCS qui était souvent sollicitée. Est-ce qu'elle patine tant que ça? Oh. Je vais le mettre plus prononcé légèrement et on va voir. On va voir ce que ça donne sur ce volume assez calme. Aïe 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 aïe. Il faut que je prenne mes repères avec la tuture.
Bonjour des Véloïdes. J'espère que ça va bien. Je sollicite quand même le contrôle de traction. Ça veut dire que je patine trop à la base. Oh, pourtant j'ai. Je trouve qu'elle est mieux réglée là. On va voir quand les gommes sont en température. Je fais de la mouise.
Ah, quand les gobes sont à température, c'est magnifique. Le problème, c'est que ça dure pas si longtemps que ça. J'ai plutôt bien réglé. Elle a gagné en souplesse, on va dire, et en rigueur. Enfin, en stabilité, je veux dire. Et en fait, à la base, elle avait une accélération trop prononcée. Donc, comme il y avait contrôle de traction et que l'anti-patinage s'activait, ça posait problème. Là, de d'étaler l'accélération de manière plus légère, mieux répartie, là franchement c'est très bien. Intéressant, franchement intéressant. Sur la ZZ2 qui est le pire, c'est que je l'ai aussi qui a un max de points. Elle est bonne. Ralenti intéressant, je me conserve. Comme détectera le ZK qui contient les ralentis. Troisième course, c'est quoi sur les 7? Évidemment, on n'aura pas le temps de faire les 7. Hein. 13h, on va chez FunFam pour du Duke Nukem 3D en version française. Qui nous fait d'une seule traite. Il vous expliquera pourquoi. Puis moi, ça me permettra d'aller me restaurer. Je commence à avoir faim. Et je pense que je vais me faire mon poisson. Avec les itinéraires. Ah oui, tu penses si en plus ce sera par exemple le dernier épisode. Tout en faisant la modération de FunFan, moi j'en profiterai pour faire, je pense, du rangement de mon côté. J'ai pas mal de trucs à ranger, je suis dans un caillou pas conventionnel. We'll be right back.
Les gommes sont à température, là je commence à réaliser de bonnes performances. Je suis bien dans l'air. Merde, trop court. Ah, j'ai tapé. J'ai abusé avec le point de corde. Je mets du mouvement, ça c'est mon gaffe. Pas mal. Ça fait plaisir d'apprendre les couleurs. Donc il faut que j'en retienne pour le championnat des voitures de rêve, là, Dream Cars. La ZZ2 apparemment serait le modèle idéal pour cette compétition. Et j'ai la chance de l'avoir. Donc, ma prochaine session de Gran Turismo 3, qui sera peut-être d'ailleurs demain matin, je sais pas. C'est possible. Espoir. Franchement, espoir. Wally Wally. En tout cas, merci à vous d'être là. Mais je vous avoue que je suis ravi de vous voir parce que je me dis quand même, ça doit être d'un barbant pour ceux qui n'aiment pas le sport automobile. C'est très particulier, hein, je le conçois parfaitement. Et oui, bon app si vous passez à table. Et alors moi, évidemment, je me fais plaisir. Moi, je suis dans mon monde. Et non, merci à vous d'être là, je suis vraiment surpris.
C'est beau, là leur éclairage. Des bolides. Très joli. Donc je pourrais même sauvegarder d'ailleurs mon réglage de mécanique parce que là franchement j'en suis satisfait. Merde, je me trompe. Pour le coup je vais faire les deux à la fois là. Voilà, je sauvegarde le ralenti de la course et oui, je comprends, Suzy, tu regardes à moitié, je comprends pas faire tant que vous regardez d'un coup d'œil en faisant quelque chose, autre chose à côté. C'est d'ailleurs même le scénario idéal pour faire ça. Je le conçois parfaitement. Je serais très surpris d'ailleurs que vous me disiez, vous êtes complètement scotché à l'écran. Mince, je suis en train de faire des bêtises. Attendez. C'est pas ça, c'est les réglages que je veux sauvegarder. Je serais très surpris que vous me disiez je suis scotché à mon écran et ah bah merde, faut que je lance la course suivante. Vous regardez de A à Z ce que je fais sans décrocher. Là, je serais vraiment surpris. Encore, je fais un truc avec un suspense haletant comme il y a eu dans des sessions précédentes. Je l'accepterais. Mais là, je me dis, ouais, ah bon. Je serais très étonné. Bref. Voilà, les réglages, je vais pouvoir les sauvegarder. C'est à ce moment-là que je peux faire. Ça y est, tu cherches l'occasion de lui rentrer dans l'art à Tinsen. Mon dieu. Donc c'est optimisé. Allez go. J'ai eu deux appels, un pour le son de la kermesse en juin de mon village et un pour la partie logistique d'un concert le 22 mai vers chez moi. Tiens d'ailleurs, t'as mis à jour ton contrat, Twinsen. Le coup tu t'es fait avoir par le dispositif coupe-son là. Enfin coupe-jus à cause du son. Parce que tu m'avais dit que tu le ferais, mais est-ce que t'as pensé à mettre à jour et à réviser ton contrat? Oui, c'est de bonne guerre pour être contre pizza, ouais. Ouais, bien joué. Oui, mais c'est pas toi qui gère ça. Ouais, d'accord, ok. T'as un collègue qui gère le juridique. Ouais. Mmh. C'est intéressant, la ZZ2 est à l'arrière là. Elle n'a pas pris la tête de la course. Que signifie? Là on va se rendre compte que la deuxième partie du championnat elle est pas à son aise. Donc je l'ai plus en plus. Alors que mes gommes sont froides. J'avais déjà la titiller. Alors, je vous lirai après, hein, après sans offense. Après tout ça. Merde. Ah, et puis je coupe méchamment parce que. Le problème de contour attaché. Ah si, elle reprend
Pour l'avantage, la ZZ2, la grise, hein, je rappelle que c'est la voiture grise. Pour ceux qui l'auraient pas repéré. Je suis comme eux, hein, je tambourine sans scrupule. Ils le font pour moi. La CZ2 n'a jamais eu ce stand. Je crois qu'elle est comme moi, elle n'a pas besoin de rappeler le bruit. ZZ2 tient mieux, hein. On voit que c'est une 4 roues motrices, on voit que ça fait toute la différence. Je ne maîtrise pas le virage non plus. Je me fais mandater par lui.
dommage. Ouais, ouais, la ZZ2. Demain, il faut que je refasse ce championnat-là avec la ZZ2. Incroyable, mais vrai. Eh bien. Du coup, je suis même pas deuxième normalement. Là, je suis troisième. Ah, il y a la Mitsubishi FTO qui me bat, ok. Ah là là. Alors, là, on a le 15, 20, 22 mai concert avec la table que tu as vue en photo dans. Ouais, en Discord, ouais. Tu me l'avais montré, ok. Ah, bien. Test course. Je n'ai pas vérifié à combien montait la. Je monte à 300, je crois, pourquoi. Ce qui va pas m'aider d'ailleurs. Parce que là, pour être bien dans la course là, il faut monter à 340. Ouais, je vais vite trouver ma limite, moi. 320, ouais. 330, ou bien 330. Là, il manque 10 km de vitesse au point. Je crois que j'ai des proches. Ouais, en cancer, ouais, tu utilises tous les canaux de la table. Ouais, tu m'étonnes. C'est beau de voir les autres aussi près. Ah ouais, c'est la Mitsubishi FTO qui ouvre la voie. Tiens, tiens. Ça va être disputé. Ça va être disputé de bout en bout là dans le bas. Oh là là, on est vraiment dans la même catégorie là. Là pour le coup tout est bien calibré. Parce qu'il faut profiter de mon inspiration. Si je peux essayer de garder la tête de la course. Non, 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 il me rattrape. Merde. Ah, la Mitsubishi FTO qui arrive à mieux faire face au mur devant là. Pour moi. À la meilleure gestion de la pénétration de l'air ou une meilleure précipité. Elle me rattrape. La preuve. N'oublie pas de préparer le lancement de ton direct, fan fan, ne te laisse pas appeler par la course. Merci pour le GG au passage. Mais non, franchement, ce matin, j'aurais été très brouillon. J'aurais fait des observations intéressantes, mais j'aurais été très brouillon. J'étais pas en top concentration. Qui risque de souffrir sur le dernier coup. Déjà, je les ai déjà pas mal chauffé.
qui a décroché derrière. J'essaie de reconnaître à vue ce qu'il y a derrière moi. C'est pas la fameuse ZZ2 là de Tony Kaira. Est-ce que je la vois là? Elle est juste derrière. Qui c'est qui est décroché? Lanterne rouge là. Moi, je pense que je te fais la bascule du relais de chaîne dans 5 minutes, Funfan, prépare-toi. Vu les deux tours qui me restent, là je les boucle en un peu moins de 2 minutes. Ça fait 4 minutes plus la commande relais de chaîne, donc t'es à 5 minutes là. Je te mets la pression. Si vous tendez bien l'oreille, on a l'indication sonore de l'aspiration et de l'air qui glisse sur la carrosserie. Il y a un léger chh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 
Eh ben dis donc, allez, je programme le raid chez Fun Fan. Donc on va filer voir Fun Fan faire une belle démonstration sur du Duke Nukem 3D version française. J'insiste sur le fait encore une fois que cette version française est rare. Je suis ravi que Fun Fan nous régale avec ça. Moi je vous dis bon après-midi, bon app, merci à vous d'avoir été là, c'était super sympa. J'espère que j'aurai pu vous divertir un peu, bien que j'ai été plutôt contre-performant là aujourd'hui. Mais bon, le plaisir était là. Il y avait quelques frustrations, mais quand je fais la moyenne, le plaisir était majoritaire et c'est le but. Hein. Voilà, puis bravo, vous m'avez débrouillé la coiffe de mandarin. Je sais pas, j'ai un point de colonne, j'ai un crochet dedans, mais je vais garder le crochet. Un truc en plastoc dans le coffre. Ce sera plus évident quand j'aurai une tenue plus claire avec la queue de cheval artificielle, si je veux. Bon, bah, je pense que je reprendrai mon antenne en fin d'après-midi. Peut-être pas forcément juste derrière Fun Fan, quand il y aura fini du Duke Nukem 3D. Parce que j'espère prendre un peu de temps pour moi niveau rangement. C'est un petit peu de ménage et j'aurai évidemment plaisir à suivre les aventures de Fun Fan dans la même occasion. Je vais rester dans la même pièce que celle de mardi. Voilà, voilà. Prenez soin de vous, merci, bisous. Allez, zou, je vais sauvegarder ma progression. Ah là là, et merci à vous d'avoir suivi les anonymes, etc., etc. Prenez soin de vous, merci tout le monde. Ciao, ciao, à la prochaine.